الطريق السريع هي اللي سهلت لنا الأمور في الجي والترابط بين ليبيا وتونس. فاطمة مفتاح بطهير من ليبيا، يعني مولودة قصر خيار، مقيمة في طرابلس، متجوزة وعندي 6 أولاد منهم 2 معاقين و4 الحمد لله. هذه الإعاقة هي تحتاج لرعاية طبية واختصاصات، معناها كل شهرين نشوف بيهم في دكاترة عظام أعصاب، ساعات يعطوهم مسكن، ساعات يعملون علاج طبيعي، خطر العلاج هنا كويس والدكاترة متوضعين ويفهموا كل شيء. نحب الصراحة نجي لدكاترة تونس ونحب ديما نعدي لهم هنا، خطر هم حالة خاصة وهم يفهموهم. والله توا بعد الطريق الجديدة والسريعة بدت سهلة علينا الجاية، ما نتقلقوش في الطريق، بدت أسهل من قبل. الطريق كان صعيب شوية، الطريق مقصرة وزحمة وتعطل شوية، معناها الأمور كلها متسهلة الحمد لله، ما نتعبش بيهم في الطريق، في ساعة في ساعة توصل والحمد لله الطريق كويسة عن قبل. معناها قبل كانت أكثر معاناة وأكثر وقت معناها تاخذ في الطريق، توا أسرع وقت. Avec un temps de trajet divisé par deux, passant de 2 heures à 1 heure, l'accès aux soins est facilité pour Fatima et sa famille. Un gain de temps de 3 heures également sur le trajet Tunis-Ras Jedir. 5 heures aujourd'hui contre 8 heures auparavant. Cette infrastructure qui relie les villes de Gabès, Médénine et Ras Jedir à la frontière libyenne s'étend sur un linéaire de 188 km. Elle a été inaugurée en février 2023. Longue de 104 km, la section Médénine-Ras Jedir a été financée par la Banque africaine de développement à hauteur de 137 millions d'euros. Ce nouvel axe routier permet une nouvelle dynamique de développement et d'échange entre la Tunisie et la Libye. À titre d'exemple, le volume du fret maritime transitant par le port tunisien de Gabès est en nette augmentation. Cette route améliore donc les conditions de transport des personnes et des biens, libérant ainsi le potentiel de secteurs clés comme le commerce, l'industrie, le tourisme et la santé. C'est l'un des points forts de notre île, c'est le tourisme médical. Grâce à l'ouverture de l'autoroute, le nombre de patients ça augmente et par conséquent, le nombre de consultants augmente. On reçoit pratiquement 50% de nos malades sont des malades libyens. Et donc, avec l'arrivée de l'autoroute, l'accès à Djerba, c'est beaucoup plus facile. Et donc, le nombre de malades se multiplie. Sur la voie d'une sortie de crise, la Libye renforce ses relations économiques et commerciales avec la Tunisie grâce à ce nouvel axe. Pour les Libyens, cela signifie un accès plus facile aux services et infrastructures tunisiens, notamment dans le secteur vital de la santé. Les accidents, la sécurité routière, tout ça s'est transformé. Et donc l'économie, la santé médicale, certainement va se transformer de plus en plus. Donc avec l'arrivée de l'autoroute, ça simplifie énormément notre tâche en tant que médecin. Parce que le fait de gagner une heure donc, dans ta journée, c'est déjà pas mal. Donc c'est une heure de stress, une heure de route, une heure de temps offert donc, pour nos malades. Le secteur de la santé n'est pas le seul à bénéficier de cette nouvelle autoroute. Avec une circulation plus fluide et sécurisée pour les personnes, les biens et les marchandises, les investissements et les activités économiques s'intensifient et trouvent un nouveau souffle. Cette autoroute représente donc une véritable opportunité pour Djerba qui accueille 1 million de touristes par an, mais aussi pour toutes les villes touristiques sur l'autoroute comme Hammamet et Kairouan. Ces villes disposent enfin d'une infrastructure à la hauteur de leur réputation et de leurs ambitions. أي نجي ديما ولات نحب نجي يعني لجربة، حتى ما عنديش مريض نجيبهم معاي ونجي نعمل دورة، وعندي حباب وعندي أصحاب ونحوس شوية ونروح، وأغلب الأحيان علاج هو، حتى أنا مريضة شوية ديما نعدي الحمد لله. ساعات نجيب الوالدة، ساعات نجيب الوالد. الطريق سهل علينا المشي والجاي، ولات عندنا حاجة نورمال جربة، معناها ما فيهاش حتى مشكلة. De dernière génération, cette infrastructure connecte des dizaines de millions de Maghrébins, facilitant les échanges entre les peuples et l'intégration des économies. Elle crée ainsi de la solidarité, de la valeur et contribue à faire la différence.